L'élégance, la passion, la créativité ainsi que l'ambition étaient les maîtres mots de ce défilé de mode. Les organisateurs ont voulu qu'il soit d'abord un véritable show pour les spectateurs afin qu'ils en gardent un très bon souvenir, mais aussi un véritable tremplin pour les créateurs et surtout pour les candidats à l'élection Miss et Mister RDC International 2017 qui aura lieu au mois de décembre prochain à Paris. Vraiment, je suis très content et très heureux d'avoir participé. Je remercie l'association d'avoir fait appel à nous. Les candidats progressent et me donnent encore plus confiance en me disant qu'en tout cas, les 10, ça va être vraiment chaud. Quoi de mieux pour montrer le savoir-faire des créateurs africains sur la place de Paris? Les mannequins n'ont pas hésité de témoigner leur satisfaction à cette initiative qui vise à mettre sous les projecteurs les collections des stylistes et couturiers africains de France. Au début, c'est très stressant, je vous le cache pas, mais après, sourire, on regarde droit devant nous et voilà, on oublie, on s'éclate carrément, c'est bien. C'était vraiment un très bon entraînement et franchement, du coup, ça m'a vraiment motivée avec tout ce que j'ai vu. Et oui, effectivement, je suis prête. Ce sont des tennis super bien, c'était bien dans nos corps et tout, on a défilé avec la joie et l'amour. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que j'assiste à ce type d'événement. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais. Le déroulement, comment c'est passé et tout, c'était vraiment très intéressant. Ce que j'ai apprécié, c'est juste qu'il y a une nouvelle vague des jeunes et jeunes garçons, jeunes filles qui vient avec l'air potentiel, l'air savoir-faire, surtout l'intelligence, la taille et tout, ça compte dans la mode. Plusieurs créateurs de mode d'origine africaine ont travaillé ensemble pour organiser ces défilés de mode dont l'objectif est la dynamisation de la ville lumière et de montrer surtout au public que tout ce qui fait la France vient aussi de la